notre ami Sophia. Je sors du. Ah oui, d'accord. Je sors du café. On est un collectif d'artistes. Okay. On a invité sur le pays, uh-huh. Les Six Vallées. D'accord. Pendant 6 semaines, on va faire un travail de cartographie sensible du territoire. Hé, Didi, il y a ta femme qui a 4 châtaignes. Ah ben moi je vais peut-être pas la voir. Mais c'est où? On essaie de faire raconter des petites histoires. Si vous aviez une petite histoire à me raconter là sur ce coin là. Une petite histoire. Une petite histoire sensible, poétique, quelque chose. Quelque chose qui... Là, il faut que ça revienne d'un seul coup, parce qu'il y en a plusieurs sûrement. Mais. Parce que moi j'ai toujours été là. J'ai même fait partie du conseil municipal alors. Donc vous êtes monsieur Fauché. Fauché, j'habite à Tours, c'est de la commune de Rouillé, alors ça fait Fauché, tout Rouillé. Des photos imprimées sur les torchons de différents travaux et de ce qu'on fait. Voilà. Et donc, cartographie, on a une vieille carte. Avec les gens. Ah oui, dans le secteur. Moi je suis pas d'ici, je suis d'ici. Ah, de l'autre côté de la frontière. Voilà, je suis de l'autre côté de la frontière. C'est pas marqué chemin de fer, c'est chemin quoi, mais c'est bizarre, ils sont vraiment hyper droits. Mais ils ont peut-être fait la ligne de chemin de fer par rapport à ces chemins, hein. Après. Hein. Voilà. Et alors, Alexandre, il vous a dit là que mardi soir on faisait un petit apéritif? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ah d'accord, heureusement que je suis là. Ici, à la salle polyvalente. À la salle polyvalente de Rouillé. Je le sais à quelle heure toi? À 19h. C'est comme les gendarmes, hein, c'est 11h30, 19h. Non, là je suis. Ah bon? Je suis devant ma télé. À 19h? Faut pas, ça vous allez vous faire mal à la tête. Hein. Ah ben. J'ai besoin de m'instruire. Hein. Ah bah oui. Il m'en manque. Je n'ai beaucoup plus à apprendre que je connais. Bon, avec tout ça, vous avez fait un bon marché, là. Je sais pas. Vous avez été efficace, là, ce matin-là. On ne s'est pas mis en avance, hein, je pense, quoi.